l'intérieur du château ne peut pas se visiter. Elle ne peut pas se visiter. Elle est toute transformée en appartement privé. Elle est habitée. Et ici, la galerie inférieure, entièrement décorée en trompe-l'œil. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, tous les bas-reliefs, tous les haut-reliefs, toutes les sculptures, toutes les boiseries, tous les marbres sont faux. Entièrement peints par la main de l'artiste. Bon, maintenant, voulez-vous vous grouper autour de moi et faire le silence, je vous prie? Je vais chanter une note d'une chanson connue, et au bout de 8 secondes, la note va me revenir dans le dos. Attention, hein? Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'écho! Ici, dans la vitrine, les restes d'une chaussure du prince noir, comme vous le voyez. Elle avait été dérobée par un patriote du pays lors du passage du prince avec son escorte d'armée. La petite gravure que vous voyez à côté est la reproduction d'un tableau du musée de Ribérac qui relate le fait. La peinture du 17e, la gravure du 15e seulement. Ici, la pelisse de chasse de la duchesse, qui était une grande chasseresse. Tous les poils de la fourrure ont été dévorés par les mythes, et la trame elle-même est tombée en poussière vers 1500 et quelques. Et enfin, ici, divers objets sans importance, dont on ne connaît pas la provenance. Et nous arrivons maintenant à la chapelle. Je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le tronc placé à cet effet. Merci. Découvrez-vous, monsieur Joubry. La chapelle. La chapelle. Rasée par le prince noir. Incendiée par les huguenots. Pillée par les sans-culottes. Aux révolutions de 89, 30 et 48 est entièrement d'époque. La voûte est, paraît-il, un chef-d'œuvre d'architecture. Inclinée fortement sur le côté gauche, les architectes se demandent comment elle peut tenir. Ici, la chapelle de la Sainte Vierge, qui est du siècle dernier. La statue de Bernadette Soubirous, qui est beaucoup plus ancienne. Les fonts baptismaux, tout en marbre des Pyrénées, avec le socle en albâtre noir. Remarquez en passant le bel hôtel Empire. Il a été restitué à l'église à la suite d'un lex anonyme. Il avait été volé au moment de la séparation de l'église et de l'État. C'était dommage. Au-dessus de ma tête, le Saint-Esprit. Ce vitrail a été offert par une pêcheresse du 18e. Ici, la statue de Sainte-Agathe. L'artiste l'a représentée debout et en bois, tenant ses seins sur un plat à la suite de ce souci. Permises, les massifs sont privés. C'est fini.